Salut salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Nils et nous allons aujourd'hui faire quelques trucs un petit peu différents sur Kubernetes. Puisque les derniers dimanches ont été, pas forcément couronnés de succès, hein, on va pas se mentir. C'était un peu l'échec cuisant, pour pas dire critique. Et j'ai jamais trop compris exactement qu'est-ce qui clochait. Et comme j'ai quand même envie d'explorer les concepts de Kubernetes, je me suis dit, bon, bah, si ça marche pas comme ça, on va essayer autrement, on va repartir d'une page plus ou moins blanche. Alors qu'est-ce que j'essaye de faire à la base ? À la base, j'essaye de mettre en place un cluster Kubernetes avec différentes implémentations et ces derniers temps j'ai voulu utiliser un truc qui s'appelle K3S qui est une distribution de Kubernetes et j'ai voulu pour cela le déployer en utilisant un produit qui s'appelle Rancher en utilisant des VM Fedora. A priori ça peut marcher. La preuve, puisqu'il y a un contributeur de cette chaîne qui a réussi, mais qui a réussi en le faisant sur AWS. Pourquoi de mon côté ça ne marche pas quand j'essaye de faire la même chose sur des VM en local sur un autre Linux avec libvirt? Je ne sais pas. On s'est posé quelques questions, on suspecte que ce soit la couche réseau qui pose problème. Mais on n'a pas de certitude, c'est juste une supposition. Alors si jamais vous regardez cette vidéo et que vous dites mais dans quel langage il parle, Kubernetes en fait c'est un orchestrateur de conteneurs sous Linux. Le principe c'est donc que vous donnez des conteneurs à manger à un cluster qui est composé donc de plusieurs machines Kubernetes, un cluster Kubernetes est donc composé de plusieurs machines, physiques ou virtuelles, et vous pouvez déployer des conteneurs sur ce cluster, et en gros, ça vous permet, si jamais vous avez une des différentes machines physiques ou virtuelles qui vient à être indisponible, normalement votre conteneur continue de tourner. Et ça peut aider par exemple à faire ce qu'on appelle du rolling update. Supposons que vous ayez un conteneur avec une application, vous voulez mettre à jour cette application, et ben vous pouvez mettre à jour le conteneur. Et le système va mettre à jour progressivement vos différents conteneurs si vous en avez plusieurs. Donc ça c'est un peu le principe de base. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ce soir de différent ? Pour pouvoir essayer d'avoir un truc qui marche. Et ben, je vais faire plein de choses différentes. Je vais me baser cette fois-ci sur une documentation qui est normalement, je suis tenté de dire, une documentation un peu d'autorité, qui est une sorte de, est-ce qu'on pourrait dire de tutoriel ? Je ne sais pas. Probable, qui s'appelle en fait Kubernetes The Hard Way, qui a été écrit par un gars de chez Google qui s'appelle Kelsey Hightower. Et l'idée, en fait, c'est que je tente de faire un Kubernetes The Hard Way en local, en fait. Alors, on va passer tout de suite d'ailleurs sur la vue avec le bureau où j'ai la page du projet que je vais tout de suite vous mettre dans le chat, et je vais vous envoyer aussi ça dans les liens du live, du Discord, de la chaîne. Hop là. Alors, si jamais vous voulez d'ailleurs rejoindre le Discord de la chaîne, c'est par là. Ou alors dans les liens, vous tapez point d'exclamation socials, ça vous renvoie même vers ma page perso, qui vous permet de rejoindre le Discord. Alors, ce qui est notable, et si ça se trouve, peut-être que ça va nous donner des éléments de réponse pour les soucis qu'on a eu avant, c'est que Kubernetes The Hard Way,
comme c'est indiqué, c'est fait pour mettre en place un cluster Kubernetes, mais sur Google Cloud Platform. Et je n'ai pas très envie de cramer de l'argent sur Google Cloud Platform. J'ai déjà flingué mon essai. Je pourrais créer un nouveau compte Google et profiter des $300 de crédit pendant un mois. Mais je vais essayer de le faire entre guillemets donc en local sur une machine Linux avec du libvirt. Mais en dehors de ça, je vais tenter au plus possible de coller à la doc. Ce qui veut dire aussi utiliser la version de la distrib Linux qu'il recommande et les versions des logiciels qu'il recommande. Je pense que je vais pas en mourir si j'utilise de temps en temps une Ubuntu. Enfin, j'espère. Alors, est-ce que aujourd'hui on arrivera à avoir un cluster Kubernetes fonctionnel ? Je pense pas. Je vais le dire tout de suite. Là, en gros, l'idée, ça va être de mettre en place justement les machines. Donc, c'est même pas dit qu'on commence à utiliser Kubernetes dès aujourd'hui. L'idée, ça va vraiment être de mettre en place les machines virtuelles, de vérifier qu'elles communiquent ensemble. Et puis ce sera déjà pas mal. Salut à toi The Bidouilleur. Salut Localhost HD, bienvenue à toi. Donc on va commencer un peu par parcourir gentiment ce document et voir de combien de ressources on a besoin. Et sans doute que je vais peut-être devoir adapter mon petit truc Terraform Many Nodes pour avoir une certaine quantité de machines. Donc, Kubernetes the hardware is optimized for learning. Ça c'est très bien. Which means taking the long route to ensure you understand each task required to bootstrap a Kubernetes cluster. C'est chouette. C'est parce que c'est le but de toute cette série sur Kubernetes, hein, c'est que je me mette à niveau sur le sujet, en fait. Que les choses soient très claires. Hein, je ne connais pas vraiment la techno, et mon but, c'est justement de monter en compétences. Ce sera hardware pour K8S. Normalement, j'ai écrit dans le titre du chat, là-haut, K8S encore plus dur. Alors... Donc quelqu'un qui veut... Alors bon, c'est pas prévu, mais ce sera très bien que je comprenne comment ça fonctionne. Bon, cluster detail, donc il y a un certain nombre de logiciels qui vont être donc installés, je suppose, et ça, ce sont les versions. Alors, nous avons quoi ? Prerequisite, installing the client tools et provisioning compute resources. Je pense que c'est surtout sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui, en fait. Salut à toi, Guigui, avec plein de 2. Bienvenue à toi, first time chat. Alors, ouais, et puis en plus à la fin, smoke test cleaning up. Ok, cool. Alors, prérequisite. Qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer ? Bon, voilà. On a déjà dit que Google Cloud Platform, ce serait pas le cas. Il y a juste Kubernetes dans le titre. Noté pour K8S, j'en ai déjà setup quelques-uns avec Cubes près, mais je manque d'XP comparé à K3S. Qu'est-ce que j'ai fait dans le... Alors moi dans le title du stream info, là, j'ai Kubernetes à la encore plus dure. Et a priori, mon retour vidéo me dit la même chose. Je suspecte que tu sois sur téléphone et que le titre ait été mangé. Ce qui est une possibilité, hein. Bon, il dit estimated cost, bon, 23 centimes par heure, $5.50 par jour. Alors, oui, très certainement, si on n'a pas un home lab à la maison. Maintenant, voilà quoi, j'ai une babasse sous le bureau qui a l'air d'avoir assez de mémoire et assez de CPU. Allons-y. Bon, du coup, toute la partie. Ceci étant dit, Il dit juste, ok, hop, il dit juste, faudra GCP, mais c'est tout.
Et il parle de Temux. On verra comment on le configure. Là, il parle d'installer les outils clients. On va y venir après. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que ce que je vais sans doute faire, c'est installer les VM pour Kubernetes. Et à côté, je vais faire une VM qui va servir à administrer le cluster et sur laquelle je vais mettre les, justement tous les outils. Comme ça, je serai sur les mêmes versions tout partout. Ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Donc, installer kubectl, etc. Voilà. Provisioning compute resources. Ok. Alors. Kubernetes requires a set of machines to host the Kubernetes control plane and the worker nodes. Ah oui, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le petit stream improvisé d'hier soir, oui, j'ai un super accent anglais dont j'ai toujours aussi honte. Donc en gros, on va avoir des nœuds de control plane et des nœuds qui vont faire le boulot, en fait. Et dans ce lab, donc on va avoir justement, on va provisionner la partie ce qu'il indique compute, hein, donc la partie charge de travail, j'ai envie de dire, pour faire tourner un cluster Kubernetes qui soit hautement disponible. Tac tac tac. Alors. Le système de le modèle de réseau de Kubernetes part du principe qu'on a un réseau à plat dans lequel les conteneurs et les nœuds peuvent communiquer ensemble. Ok. Donc là, il parle de mettre en place un VPC, mais du coup, nous, on mettra en place un subnet au niveau libvirt. Et a priori, on va utiliser les mêmes trucs. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que là, je suis dans mon petit truc ManyNodes. Alors, je vais peut-être vous redonner d'ailleurs le lien vers ManyNodes, qui est quand même assez sympatoche. Enfin, j'espère. Sur GitHub. Hop, qui est là. Et donc, qui permet facilement, normalement, de déployer des machines virtuelles via Terraform, en fait, dans un seul et unique réseau. Donc, vous avez besoin de 5 VM identiques avec, je sais pas moi, 5 Go sur le disque système et 20 Go sur un disque de données, et que vos VM ont 2 vCPU et 4 Go de RAM, et ben, grâce à ManyNodes, vous pouvez. Vous pouvez. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me faire un petit mv terraform. Remarque, ce que je vais peut-être faire, c'est d'abord un terraform init. Ok, terraform, juste par acquis de conscience, validate. Voilà. Si je fais un terraform plan, est-ce qu'il va vouloir créer les trucs? Juste à dire plan. Donc là, il dit, je vais rajouter les trucs. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien, plus rien de créé. J'ai complètement détruit, entre guillemets, mon cluster ManyNodes depuis la dernière fois. Donc à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est faire un petit VI de terraform.tfvars. Je vais me faire plutôt un petit MV, un petit CP. Terraform tfvars, et on va l'appeler terraform tfvars, on va l'appeler point .rancher, tiens, rancher. Comme ça, on saura que c'était celui-là. Et ensuite, on va éditer notre terraform.tfvars. Donc, sur Kubernetes The Hardway, il dit quoi? Il dit qu'il nous faut un réseau en 10.240.0.0/24. Donc, on va aller ici, et on va lui dire, ok, ce sera un réseau en 10.240.0.0/24. Et on va faire sauter ce truc-là. Et on va voir le reste après. Hop. Bon, les firewall rules, bon, normalement, le truc est un peu open bar en interne. Un external load balancer va être utile. Bon, ça, c'est autre chose. Et ensuite, il parle d'une adresse IP publique où on sera en... Les compute instances. Alors,
il va mettre des Ubuntu Server 20.04. Donc on va aller regarder comment est-ce qu'on peut récupérer. Alors je crois que j'avais dans mon example, j'avais mis quoi? Dans mon example, j'avais mis du Fedora. Avec le lien direct. Salut à toi Rancune. Et ce que je vais faire, c'est que on va taper ici Ubuntu Server. Ubuntu Server Cloud Image. Hop, voilà. Alors, ce que je veux, c'est la 20.04 LTS. Hop là, focal. Très bien. On va prendre la current. Et focal server. D'ailleurs, tiens, c'est pas ce que j'avais. Non, j'avais mis Kinetic. Ok. Focal server, cloud image. Alors. Laquelle il va me falloir. J'avais pris quoi là? J'avais pris disque KVM. Ok. Donc il faut que je trouve le truc KVM. Hop. Donc a priori, ce serait celle-ci. On va copier le lien. Et on va se connecter sur notre bon vieux Marvin. Var lib libvir boot. Et vous pouvez remarquer tout un tas d'images prêtes à l'emploi et sur laquelle je n'ai pas d'Ubuntu actuellement. Hop, allez, c'est parti. Ok, donc ça c'est plutôt bon. Juste, il me faut hop, le nom du fichier. Hop, on va revenir ici. Et on va prendre. Ah, c'est Omnils. Omnils Libvirt. Pourquoi j'ai un Omnils Libvirt? Bon, on va voir. Si ça se trouve. Si ça se trouve, le. Ah, si ça se trouve, il le copie depuis. Je me rappelle plus, tiens. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est dans le doute. Ah, tiens, j'ai pas préparé mes. Ah, bah oui. hop. Hop là. Ici. Ah, flûte. Bah, je suis plus copier-coller. Ah bon, j'ai dû me. Alors, je vais en profiter, tiens, puisque je me suis fait avoir sur mes. Hop. Je m'ouvre quelques sessions d'avance, comme ça on est tranquille. J'ai pas pensé à le faire en préparant le stream. Donc, ça devrait être pas mal. Hop, et j'efface ça. Alors, 2. On va reprendre ici. L'image KVM, elle est là. Hop, je copie le lien. Et ensuite, on va revenir là. On va rééditer ça. Bon, a priori, on sera bon. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre selon la doc officielle? Il nous dit un bout de disque à. Ah d'accord, il fait juste un seul bout de disque à 200 gigas. Ça va, il est tranquille, le mec, hein. Alors, et il en fait 3. Ça va peut-être m'embêter un peu. Parce que. Hey, merci beaucoup pour le follow, Itulore. Merci à toi, c'est très gentil. 200 gigas, ça va m'embêter un peu. Et ensuite, il refait des workers 200 gigas. Parce que là, en gros, il fait 3 VM workers et 3 VM contrôleurs. À chacune 200 gigas. Donc ça fait 6 fois 200 gigas, ça fait 1 Tera 2, je peux pas. Je peux juste pas. Oui, on est d'accord, c'est énorme The Bidouilleur. Je trouve que il exagère. Je comprends tout à fait qu'il veut être confort, mais honnêtement, je pense que je vais mettre 50. Hein.
Je vais mettre 50. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais l'appeler directement. Hop, on va le copier. Parce que lui, il fait justement, il fait 50 gigas. Hop, là, j'en aurai 50 autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 8 megs. Remarque, par défaut, je crois que je mets 8 megs, donc à la limite, hop, voilà. Juste par précaution, on va mettre 1 kilo, au cas où. Parce que je crois que le truc est en kilo, si je ne me dis pas de bêtises. Storage pool default, ça c'est mon petit user, mon mot de passe, la clé SSH, jusque là tout va bien. Packages, bah on va installer Temux en fait surtout. On va éviter DNF plugin score puisque de toute façon ce sera une Ubuntu. Et je vais mettre Temux. Hop. Tu n'as que 16 gigs sur chacun de tes nœuds, tu n'as jamais aucun problème. Les volumes de tes conteneurs sont ailleurs. Ah bah oui, mais c'est peut-être pour ça. Donc mes histoires de SE Linux, on s'en fiche. DNF aussi. Le Docker, on s'en fiche. Et je vais laisser mon truc de swappiness. Hop. Par contre, le nombre de nœuds, donc il va m'en dire, il me dit 6, moi je vais en mettre 7. 7 fois 4, 28. Donc si je les laisse à 4 vCPU, c'est pas mal. Par contre, j'aurai pas assez de RAM. Donc je vais les remettre. Si je fais 7 fois 4, 28. 7 fois 6, 42. J'ai 48 gigs de RAM sur mon Home Lab. Alors, ce que je crois que j'ai cru voir, c'est... Voilà, machine type. Donc, on va aller regarder, tiens, sur Google. Hop, t'es où le navigateur jetable? T'es là. Si je fais GCP E2 standard-2, ça vaut quoi, ça? Alors, il me dit 2 vCPU, 8 gigs de RAM. Ah. Ah. Parce que déjà 6 x 8, ça fait 48. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 6 gigs de RAM. J'espère que ça va suffire. Et du coup, je vais mettre que 2 vCPU. Parce qu'a priori... Et on va faire 6 x 1024. Hop. Hey, merci pour le sub, The Bidouilleur. Merci beaucoup. Ah, ça c'est chouette. Merci énormément. Ça me fait super plaisir les subs. Je veux que vous sachiez, je suis toujours assez impressionné que des gens sont prêts à sub à ma chaîne. Je me sens d'un côté vraiment encouragé en plus. Pendant que je t'essaie de calculer à la calculatrice 6 x 1024. 6144. Ok, hop là, allez. D'ailleurs, The Bidouilleur, maintenant, tu as accès aux emojis moutons. Si tu veux essayer, tu as accès aux emojis moutons. En espérant que ça te donne du courage pour t'accrocher à Kubernetes et au projet d'infraréseau en IAC. Oh oui, tu m'encourages, effectivement. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile ces dernières semaines sur le sujet. J'envisageais de prendre une pause, je crois, de ce genre de sujet. En fin de semaine dernière, j'étais en mode ouais, bon, est-ce que je devrais pas couper un peu et faire autre chose histoire de revenir après? Et en fait, les autres sujets que j'ai envie d'aborder en ce moment, je les garde pour potentiellement la rentrée. Alors, quand je dis la rentrée, c'est qu'en fait, je pars en vacances un peu en décalé, mes vacances d'été sont un peu en décalé. Mais je voudrais essayer de faire un ou deux streams. Donc ce serait pas mal que je garde ces sujets-là, qui ont l'air d'être des sujets un peu faisables, avec pas beaucoup de puissance, pour les moments où justement j'aurais pas beaucoup de puissance à dispo. En plus, je sais même pas si je vais vraiment pouvoir streamer, parce que je n'ai aucune idée de comment va être mon accès réseau pendant 3 semaines. Donc, j'ai 7 VM avec 2 vCPU, 6 gigs de RAM. Salut à toi, Haribo.
Honnêtement, je pense qu'on passera vraiment aux choses sérieuses la semaine prochaine. Mais t'es toujours le bienvenu, hein, que les choses soient claires. Pour le moment, on est juste en train de se dire qu'est-ce qu'on va déployer pour pouvoir faire ce fichu cluster Kubernetes. Donc, pour le moment, t'en es encore au début. Alors, a priori, j'ai ma distrib, je prévois pour le moment 50 gigas, on verra bien, par disque. Parce que 7 x 5, 35, 350, ouais, ça va. Un tiers du stockage. D'ailleurs, j'en profite hein, pour signaler que c'est grâce à vous, hein, le stockage, sur le Home Lab. C'est grâce à vous, hein. Bon, j'avais pris un peu de l'avance sur le paiement Twitch, mais en gros j'avais un disque dur rotatif de 1 Tera, et je voyais que ça c'était pas forcément ultra rapide. Alors j'avais mis le système d'exploitation de mon Home Lab de toute façon sur un petit SSD pas cher à 120 Go, et c'est grâce à vos subs que j'ai entre guillemets cassé la tirelire. Et que j'ai pris un SSD d'un Tera. Donc merci, hein, merci à vous. Bon, ceci étant dit, si je reviens là-dessus, je devrais être bon. Juste par précaution, ah, c'est bien ce que je me disais. Il a mis un petit truc en mode, au fait, bon, nous on verra. De toute façon, toutes les machines vont s'appeler Node quelque chose. Donc on verra comment ça se passe. Et là aussi, pareil. Alors ça pourrait être des idées de features que je pourrais ajouter à ManyNodes. Genre avoir des groupes de machines qui s'appellent différemment. Forcer les adresses IP. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder un truc, metadata pod CIDR. Ah d'accord, c'est juste une métadonnée, où, parce que oui, Private Network, il est dans le même sous-réseau que les autres. Ok. --scope, ça doit être des genres de tags, non? Storage arrow. Service control, ouais, ok. --subnet. Ok. Et là en dessous, Kubernetes hardware controller. Ok. Soit. Donc. Ah oui, forcément, il veut configurer un accès SSH par clé. Alors, allons-y. On va déjà essayer de déployer une première fois ce petit biniou. Ok. Plan-out égale... Faudrait que je me fasse un alias quand même, un de ces quatre, sur le Terraform plan. Alors, a priori, hop, je remonte encore. Un jour, je m'arrêterai de remonter. Ou pas. Je me sens comme Sisyphe, là, je suis en train de remonter la colline. Et après, je vais la redescendre pour aller chercher l'énorme boulet. Alors, hop, voilà. Donc, a priori, il fait que de la création. Bon, ça, c'est les trucs Cloud Init. Ok. Nickel. Bon. Et donc, au total, 30. Ouais, bon, bah, allez, c'est parti. On apply. Bien, bien, bien. Alors, pendant que ça apply, on va aller jeter un œil ici. Hop. Alors, je dois avoir des nodes quelque chose qui doivent popper. Ok, ils sont là. Donc j'ai mes 7 nodes. Donc j'ai 7 machines virtuelles, 2 vCPU, 6 Go de RAM, 50 Go de disque. On va aller vérifier ça tout de suite. On va se regarder sur une. Et si je regarde 2 vCPU, 6 Go de RAM, j'ai un Virtio disque qui fait 50 Go et un deuxième qui fait 8 Go. Parfait. Le deuxième, on s'en servira pas. Hein. Mais j'estime que 8 mégas, c'est suffisamment petit pour ne pas déranger. Je voudrais jeter un œil si la
console, série, ici, passe. Ouais, ça passe. Donc ça, c'est cool. Ubuntu en version cloud, il y a aussi une console série. Ce que je vais faire, c'est que je vais me changer d'ailleurs de vue. On va repasser sur la console graphique. On va fermer ça. On va se connecter tout de suite sur... il est passé où? Bon, hop, slash Marvin. Faire un petit tmux ici. Si je fais un petit sudo vir sh list, j'ai tous mes nœuds. Si je fais un console de node 0... Ok, ça commence pas très bien. Je sens que ça va être encore comique ce soir. Note 0, 10, 240, 0, 115. Tiens, on va essayer de s'y connecter en SSH. J'étais en train de me dire, j'ai pas fait mes petits tunnels. Salut à toi, Spiral 21. Alors. Et donc, on a choisi 10 240 240 0 quelque chose. Voilà. Ok, je suis connecté. Ça, c'est cool. Juste une question. Quelle est ta distrib Linux? Laquelle? Celle sur laquelle je vais faire mes bidouilles ou celle qui me sert à streamer? Alors, donc là, j'ai réussi à me connecter. Ça, c'est cool. Est-ce que par hasard, celle des bidouilles, ce sera une Ubuntu 20.04? Je me base sur la documentation fournie par le projet. Bon, j'arrive pas à me loguer en local, c'est comique cette affaire. Mais c'est pas grave, j'en ai pas forcément besoin. En gros, là, il est indiqué d'utiliser une Ubuntu 20.04 LTS. Donc c'est ce que j'utilise pour les serveurs. Si j'arrive à venir à bout de ce truc-là, peut-être que je testerai avec une autre distrib à un autre moment, mais dans l'immédiat, je reste avec ça. Ok, donc là, note 0, j'ai réussi. Si je tente node 1... Node 1, on est bon. Note 2. On est bon aussi. Note 3. On est bon aussi. Note 4. Ça tourne. Et quelle est la distrib quotidienne? Elle a l'air vachement sympa. Alors déjà, bienvenue à toi, Krusty Zadin. D'ailleurs, je t'ai même pas dit bienvenue, je crois, Spiral 21, si. Bon, bienvenue à nous, vous deux, en tout cas. Et pour ce qui est de la distrib quotidienne, eh ben, écoute, on va répondre très simplement. Voilà, c'est une Fedora 32.6. Qui n'est absolument, mais alors, absolument pas tunée, pour être honnête. Ou presque. J'ai juste fait mon petit confort sur le shell... c'est-à-dire j'ai colorisé un peu le prompt, mais ça fait des années que je l'ai comme ça. Je mets le truc en vert par défaut parce que je suis accro à l'esthétique Matrix, que voulez-vous que je vous dise, j'assume. Hein. Le thème et les icônes, c'est les trucs standards de Fedora.
Après, il se trouve que donc je suis en bi-écran. Et donc là, vous n'avez pas le bureau principal. Là, c'est juste la fenêtre entre guillemets secondaire. Justement, l'idée, c'est que vous ne voyez pas en gros les potentiels notifs qui normalement sont désactivés. Mais vous n'avez pas les trucs du genre les trucs de décoration en haut du bureau. Je mets le terminal en plein écran, comme ça au moins il y a que les informations utiles que vous voyez à l'écran. Le terminal, par contre, j'utilise donc Tilex, qui n'est pas le terminal par défaut de GNOME, c'est pas GNOME Terminal, justement pour pouvoir avoir des. Parce que là, vous ne voyez pas, mais si je dézoome, alors je vais vous le mettre hop, comme ça. Là, vous voyez qu'il y a des, il y a un petit terminal, enfin, en gros, c'est splitté, et vous avez un split à droite et un split en bas, qui me permettent en fait de déterminer la taille maximale du terminal. Pour que vous ne soyez pas trop gêné par exemple le chat qui est là-haut, les informations qui sont par là en bas aussi, donc ça permet de rester comme ça, d'avoir les trucs pratiques. Ah, team VI, team VI. Où est-ce que j'en étais moi? La 240.0.16, donc elle est bon, note 5. Note 5. C'est bon aussi. Et note 6. Note 6 aussi. Ok. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à me connecter avec sur toutes les VM. Donc ça, c'est cool. Non, c'est pas ça que je veux. A priori, ça, j'en ai plus besoin. Donc ça va dégager ici. Hop, et on va reprendre ça là. Donc j'en ai configuré 7. J'ai accès en SSH aux 7 machines. Donc là, il parle de la génération de clés SSH. Donc ça, je peux sauter. Je peux sauter. Par contre, du coup, je vais revenir dans les trucs d'avant. Je vais revenir dans les trucs d'avant. Hop. Prérequisite. Alors. Il avait parlé à un moment de Temux. Alors, si jamais je suis ici. Alors, j'ai ma config Temux à moi d'habitude. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que il veut. Parce qu'à la limite, je lance un Temux ici. Donc ça, ce sera mon premier. Juste par précaution ici. Ici, ce que je peux faire, c'est me lancer sur le node 0, qui va être le node depuis lequel je vais tout administrer. Voilà, note 0. Oh là, j'ai comme l'impression qu'il y a des blagues. J'ai comme l'impression qu'il y a des blagues. Alors. Ah mince! Ah mince! À Haribo, j'ai comme l'impression que le modérateur est passé par là. Le modérateur automatique. Ouais, Streamlabs, t'as cramé. Est-ce que je peux pas essayer de calmer les ardeurs de Streamlabs? Ok, bon, je m'embête pas. Je m'embête pas. Hop. Il n'y a pas de souci. C'est dommage parce que ça avait l'air drôle. J'ai commencé à voir passer les trucs et je me suis dit, oh, ça va être marrant, ça va être marrant. Et puis finalement, ça a disparu. Alors. Donc, alors bon, l'utilisation de Temux c'est optionnel, mais ça c'est pas non plus dramatique. J'ai bien envie d'essayer. En gros, il veut utiliser voilà la synchronisation des panneaux dans Temux. Alors je sais pas si tout le monde est familier avec Temux ici. Hop, 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 hop. Donc là j'ai le note 0 et ce qu'on va pouvoir faire c'est faire. Hop. Hey, merci beaucoup pour le follow, Krusty Zadin. Merci beaucoup à toi. Pop, 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 pop. Si je fais ça. Ouais, non, ça fait. Pop, 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 pop. Je crois que j'ai pas le set mouse. Donc, tu disais. Alors, on va rire. Des Japonais
qui apprennent qu'on n'utilise ni VI ni Emacs s'exclament « Nani ?» C'est-à-dire « Pardon ?» Mais c'est parce qu'ils sont plusieurs. S'il n'y en a qu'un, c'est « Nano ?» Merci, merci. Ok. j'ai un collègue qui utilise Nano, il est team Nano, il gère bien Nano, hein, honnêtement il gère bien, donc j'ai pas de, que les choses soient très claires, que vous utilisiez VI, Emacs, Nano, Joe, voire même ED, Mathias The Bidouilleur qui justement parle de ED. Honnêtement, j'ai envie de dire, utilisez ce qui vous fait plaisir. Utilisez ce qui vous fait plaisir. Moi, j'utilise ce qui me convient, et ce qui me convient, c'est, enfin, c'est même pas VI, c'est plutôt Vim en fait. J'avoue que le VI classique, ça reste déjà un peu roots quand même. Je sais plus comment je peux bouger les trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Hop, on va revenir ici. Voilà, il y en aura 4. C'est pas dramatique. On va voir que si jamais je coupe celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il est plus gros que les autres, ok. Alors, remarque, il vaut mieux que j'en ai que 3 parce que sinon ça va poser un problème avec la synchronisation des panneaux. Ah, remarque, faut peut-être d'abord que je fasse ici, que je fasse en 7. Synchronize 7. Alors, CTRL B et SHIFT. Ah oui, donc moi c'est CTRL A et SHIFT. Comme ça. Hop, et on dit set synchronize panes on. Ok. Et si je fais écho YOLO, il me fait YOLO partout. Ok, c'est bon ça. On va en faire un deuxième ici. Non. Hop. Voilà, donc ici, je sais que les panes sont synchronisés. Allons-y, on va installer les outils clients. Alors donc, pour celles et ceux qui pourraient débarquer là maintenant, c'est vrai que je fais pas forcément les choses dans l'ordre, mais le but c'était d'avoir les machines virtuelles pour ensuite faire les choses. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup... Oh punaise, je viens de faire une boulette, moi. Je viens de faire une boulette. Faut que je désynchronise les panes. Ne serait-ce qu'un instant. Pour que je fasse donc node 1, node 2, node 3. Hop. Voilà. Ici, node 2. Voilà. Et node 3. Voilà, et donc là maintenant. Allez, mais, voilà, il faut que j'aille recopier-coller. Il est passé où? Hop. Ici. 7, 5. Ah oui. Voilà. Donc ici. Je fais la même mais en off. Je reviens là. Node 4, 5 et 6. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais mettre ici workers. Voilà. Ici, je vais mettre control. Et ici, je vais mettre node 0. Hop. Comme ça, je saurai de quoi il retourne. Et donc, à partir de là, maintenant, ici, je peux remettre
la synchronisation des pains. Nickel. Bon, maintenant on peut vraiment revenir sur, sur l'installation des outils clients. Donc dans ce lab, on va installer les outils clients CFSSL, CFSSL JSON et kubectl. Ok. Alors à quoi ça sert tout ce bignou ? CFSSL et CFSSL JSON, comment on utilise ? Ok. Ça permet de faire une infrastructure PKI. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec les concepts de PKI ou est-ce que je raconte un petit peu à quoi ça sert ? Je serais tenté de dire go Wikipédia, mais ce serait pas très gentil en fait. Donc en gros, une PKI, donc une infrastructure à clé publique, c'est une organisation qui permet de justement gérer des clés de chiffrement et d'utiliser des certificats. Donc ça permet notamment de faire beaucoup d'identification, d'authentification. Voilà, ça permet d'assurer confidentialité, authentification, intégrité et non répudiation. Donc en gros, aujourd'hui, quand vous allez sur un site web en HTTPS par exemple, peut-être que sans vous en rendre compte, en fait, il y a une PKI qui est impliquée là-dedans. Parce qu'en fait, votre navigateur web, lui, il fait confiance à un certain nombre de certificats, on va dire racines, et le certificat qui est présenté par votre site web, par exemple ici par Wikipédia, et ben en fait, ce certificat, il a été obtenu auprès d'une organisation de confiance qui a fourni sa racine dans le navigateur. Voire même, c'est par une organisation de confiance qui, elle, est mise en confiance par une autre organisation, ça peut aller comme ça à plusieurs étages, et qui est dispo dans le navigateur. Voilou pour les PKI, dans les grandes lignes, en gros, pour comprendre à quoi ça sert. Et donc, voilà, l'idée, ça va être de créer à un moment des certificats. En termes de PKI, tu as eu l'occasion d'utiliser Step et StepCA, c'est assez simple d'usage. Ça ne me dit rien du tout. Moi, je sais que j'ai utilisé EasyRSA, comme beaucoup de gens. J'ai eu utilisé, je crois, une solution Proprio. Je me rappelle plus laquelle. C'était il y a longtemps. Donc, a priori, ça c'est sous Mac. Linux. Hop. Ah ouais, d'accord, il y a directement les trucs chez Google. Il n'y a plus qu'à cliquer sur copier. On va ici, on fait coller, et bim. C'est smallstep.com qui fait step et stepca. Ok, tiens, on va jeter un œil. Hop là, smallstep. Automated Certificate Management for DevOps. Ok, sign up, it's free. Product pricing. Ah, ok, il y a un open source, StepCli, StepCA. Ok, donc en gros, ouais, ils fournissent en plus des briques open source, soit pour accéder à leur truc, soit pour créer toi-même ta propre. Ok, ça a l'air intéressant. Ouais, ok, en gros, il y a une entreprise qui fournit le truc en open source et qui dit, si t'as pas envie de te casser la tête à le maintenir, nous on le fait pour toi et tu nous files un peu d'argent. Et comme ça, nous, ça permet de garder le truc en open source. C'est un bon modèle économique, j'aime bien. J'aime beaucoup le modèle économique. Ok, donc là, a priori, on a téléchargé CFSSL, CFSSL JSON. Donc a priori, on a juste allé, hop... Oups là. Voilà. Et ensuite, on peut vérifier que tout ça fonctionne en utilisant CFSSL version. Hop, s'il veut bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis sudo en vrac ? Non. Ah, non. Ok. CFSSL version, ça, on est bon.
Et CFSSL JSON. On est bon aussi. Et maintenant, on va installer kubectl. Donc. Donc, si j'ai bien compris, kubectl, en fait, c'est l'outil qui permet. Punaise. C'est l'outil qui permet de. D'administrer un cluster Kubernetes. Je sais pas ce qu'il y a avec le sudo, lui, mais. On commence bien. Ouais, sudo se traîne, je sais pas pourquoi. Alors, pourtant, utilisateur Niels peut... Ok, soit. Ok, ça c'est bon. .1.21.0, on a le git commit qui finit en 79. Clean build date 2021-04-08, ouais, c'est celle-là. Go version. Ok. Ok, là on est bon. Donc a priori, le provisioning, bah, on l'a fait avant. On l'a fait avant, on va espérer que ça se passe bien niveau réseau. On a déjà l'accès SSH aux machines. Donc jusque là, tout va bien. Et ensuite, eh ben en fait, on va pouvoir déjà commencer. Non. Arrêtez, ça fait une heure qu'on stream. Je suis déjà prêt à lancer le truc. Alors, sudo lent, ça peut être un problème de cohérence du hostname courant versus configuré. Alors déjà le moins FQD. Ah ok. Ah il met un petit moment. C'est peut-être la résolution effectivement. Il doit peut-être pas aimer le point .manynodes point local. Et il essaie de le résoudre régulièrement. Comme dirait un pote, must be DNS. Je crois qu'on connaît le même. Bon, a priori... Ah oui, mais attends, si ça se trouve... D'accord, en fait... Rose, ça pourrait être BGP aussi. Ça se tient. D'accord, ok. Donc, j'utilise pas le sudo d'origine déjà. Mais celui-ci. Parce que sinon, il me réclamerait le mot de passe tout le temps. Ok, tout va bien. Donc ça, ma conf sudo, elle est là. Je sais pas s'il y a moyen de dire à sudo, et au fait, arrête de dire des bêtises. Si je me mets là, puis que je fais un man sudo earth. Il y aurait un FQDN. Ah oui, peut-être qu'il va chercher des trucs dans le etc host, tiens. Et effectivement, localhost, machin, ouais, non, il n'y a pas de... Alors... Ah,
Pourtant, ce flag est off par défaut FQDN. Je l'ai vu nulle part. Hein. Ouais, le flag est off par défaut. Et effectivement, je vois pas ici. Ajoute ton IP privé et ton hostname dans le TCS. Salut à toi, Azram. Oui, on va essayer, tiens, allez, hop. Mais alors, s'il faut que je le fasse sur toutes les machines, ça va être un peu relou. Ceci étant, puisque de toute façon, je veux pas me presser dans la création du cluster, et qu'aujourd'hui, je veux plus mettre en place les choses, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je rajoute... Que je détruise ma plateforme et que je la recrée en mettant ce genre de choses là. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux rajouter là dans mes commandes, je peux rajouter un truc peut-être, non? Je sais plus si je peux utiliser le nom de la le nom du. C'est vous le chef. Non mais pour le coup ça me... Ce que je me dis c'est que... Alors non, pas dans le compute, qu'est-ce que j'avais dans le storage? Hop là. Infra reproductible, donc faut régler ça avant le déploiement. Peut-être avec hostname CTL. Hostname CTL sur Ubuntu? Ah. Ouais, il y a Hostname CTL. Set Hostname. Attends, on peut faire un status. Comme disait mon pote, it was DNS. Ton pote, il s'appellerait pas Jeff par hasard? Static Hostname, icône. Icon name, châssis, oui, bon, ça on se doute. Bah en fait, effectivement, ça a pas l'air de gérer grand chose à ce niveau-là. Honnêtement, je pense que faire le gros cochon et balancer tout dans. Mais remarquez, je suis en train de penser à un truc, je peux balancer toute la. Ah non. Hostname égale node count.index. Je suis en train de me dire comment est-ce que je récupère. Comment est-ce que je vais pouvoir lancer en commande. Alors, déjà, je vais tester avec le etc host. Hop. Si je rajoute à la fin, que je dis son IP, lui, là, hop, et que je mets node. Je dois pouvoir faire un truc à CloudInit, effectivement. Node 0, node 0.many, nodes.local. Si je fais ça et que maintenant je fais sudo -l, il le fait super vite. Ok, ça c'est cool, mais surtout en fait les adresses IP elles sont pas prises de façon statique, elles sont régénérées. Là si je détruis une des VM et que je la recrée, il va pas me mettre la même IP en fait. Parce que les machines sont normalement en DHCP. ETC. Hop, 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 hop.
Il a pioté cette interface. Ah oui, c'est Netplan maintenant avec TC Networks. Il y a quoi là-dedans? Networks. Link local. Alors à ce moment-là, The Bidouilleur, ça deviendrait plus un stream où je rajoute des features à ManyNodes qu'un stream où je bootstrap le cluster. Enfin, ou en tout cas je mets en place les nœuds du cluster. À la limite, dans notre cas de figure pour le moment, je vais peut-être pas me casser la tête. Hey, merci beaucoup pour le follow, Guigui, du coup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer hop, ici. On va pas s'embêter la vie. Ah, il y a un update OTC Host. Il y a un update OTC Host qui serait beaucoup plus simple. Donc a priori, j'ai juste à redéployer et à écrire manage OTC host là-dedans, comme ça. Si je comprends bien, hein, Azram. Par contre, il associe ton hostname à 127.0.1.1, il te semble. Bon, écoute, tu sais quoi, on va tester. Hein. Alors par contre, il faut le mettre où ce truc-là? Est-ce que c'est dans un sous-menu ou... Je peux le mettre comme ça. Je m'étais pas créé un truc. Ah oui, c'était dans Terraform. Ça se tente, hein. Je vais détruire le node 6 et je vais le refresh. On va bien voir ce que ça donne. Et si ça, si c'est pas mal, je refais tous les nœuds comme ça. Hop. Et on efface tout ça. Ah oui, je suis dedans. Oui, parce que là, du coup, il recrée les cloud init de tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il va réinstancier les VM. Salut Manon. Non, ça, effectivement, on l'a rangé, le rancher. Allez, c'est parti. On va apply. Ouais, du coup, il va me dire oui ou non. Hop. Donc là, on va juste aujourd'hui, je pense qu'on va juste déployer de la VM. Hein. Hop, allez. Ah, mais je suis... Ah si, je suis déjà connecté. Ok, donc si ça se trouve... Ah, tout de suite, c'est plus rapide. Et il a mis node 6 comme ça en 127.0.0.1. Ok. Enfin, en 127.0.1.1. Ok. Ah, par contre, on a un update hostname.
Même ça, c'est fait par défaut. Bon, si ça permet de lancer le... Told you it was DNS. Si je tente un ping node 0, bon, il va dire que je trouve pas. Ah, punaise. .10.240.0.1 many-nodes.local. Ah non, mais du coup. Parce que je sais plus si pour Kubernetes The Hardware, le truc réclame que le DNS soit valide ou pas. Oh bah, de toute façon, voilà, il met un peu de temps, mais ça marche. Bon. Si jamais on doit mettre des noms, on les mettra en FQDN. J'ai l'impression qu'en fait, la partie DNS est effectivement longue à mettre en place côté libvirt. Serait-ce peut-être ma machine qui n'est pas assez puissante? C'est une possibilité. Ok, et bah écoutez, vous savez quoi? Du coup, je vais tout dégommer et tout recréer. Alors. Voilà. Allez hop, bye bye le cluster. Mais en gros, je veux vraiment me concentrer de toute façon aujourd'hui sur... on part sur des bonnes bases. Donc, à la limite... c'est pas grave. Par contre... Pas mal Manon. Manon qui dit que pour partir sur une bonne base, elle nous conseille d'utiliser PostgreSQL. C'est une idée, c'est une idée. Alors pour être honnête, je connais pas vraiment bien PostgreSQL. Pop, 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 pop. Et du coup, manage host name in etc host. Hop. Pas s'embêter la vie. Hop, donc. Ah, il y a un petit souci. Parce que je suis pas dans le répertoire Terraform. Hop là. Pendant que ça crée, là du coup, j'ai dû perdre normalement tous mes... voilà, c'est ça. Donc il faudrait que je refasse mon petit truc avec le Temux. Hop, il est où le Temux? Ah, il était là. Non plus. Je sais plus où j'en suis moi, non, mais avec tout ça. Alors, voilà, il est là. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop, j'ai perdu mon terminal. Ok, bon, du coup on va recommencer. Hop là. Alors. Node 0.
Nickel, ça va très vite. Bon. Une fois que ça c'est fait, lui, ce sera donc node 0. Ensuite, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre les contrôleurs. Non, c'était les... comment ils s'appellent? Hop. Ça, c'est les client tools. Compute resources. Donc, on a les... Hop. On a les contrôleurs et les workers. Ok. Contrôle et work. Voilà. Donc là, je vais me connecter en SSH sur les trois. Les trois contrôleurs. Et ensuite, je me connecte sur les trois workers. Merci pour le follow, Bunny Sweetie. Merci à toi. Hop là. Donc là, on est bon. Et ensuite, je peux faire. Je peux faire. Hop, te revoilà. Le control pane. Enfin, le synchronize panes. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à Haribo? Tu tentes. Ah, tu. Non, t'es en train de mettre à jour une Debian. Ok. Et donc, qui a encore un Munthall installé en local. Il a été supprimé de la distro en 2016, ce que tu dis. Oula! Ah, les vieux logiciels qui traînent dans les mises à jour, c'est des fois un petit peu comique. Ok, donc ça, c'est pas un problème, notez bien. C'est juste qu'elle est vieille cette install. Alors moi je dois t'avouer que ma Fedora 36 là, c'est effectivement une update d'une update d'une update. Mais pour le moment, le système est suffisamment stable pour que je ressente pas le besoin de faire une réinstall from scratch. Très bien, maintenant on va pouvoir réinstaller. Donc ça c'était quoi? Hop, ça c'était les instances. On va pouvoir réinstaller les outils clients. On va le faire une deuxième fois alors. Alors, sur node 0, hop. Ensuite, hop, et on les bouge. Ensuite, bon, je ne vérifie pas. Hein, hop, kubectl, hop, kubectl sous Linux. Mais ouais, tout de suite, le sudo, il va plus vite. Hein. Ça va faire plaisir, ça. Hein. Hop. Bon, juste pour le principe, lui, il est bon. Ok, cool. Donc ensuite, on provisionne les ressources. Donc ça, c'est ce qu'on a fait là. Et on est connecté. Donc maintenant, on va pouvoir, en fait, attaquer le vif du sujet. J'avoue, je suis agréablement surpris hein, pour le moment. Parce que finalement, je me disais, bon, je me lance dans Kubernetes The Hard Way. Je vais le faire, comment dire? Je vais le faire tranquillou. Je vais commencer par déployer les machines virtuelles. Si ça se trouve, rien que le déploiement des machines virtuelles va me prendre les 2 heures du stream. Ça fait 1 heure et quart. Donc déjà, je suis plutôt rassuré. bon, donc a priori, il faut qu'on commence par provisionner une autorité de certification et générer des certificats TLS, justement, parce qu'on va créer notre propre PKI.
À la limite, avant de s'y mettre, vu qu'il me reste plus beaucoup d'eau et que je sens déjà que la gorge est un peu sèche, eh bien, je vais faire une petite pause rapidement pour m'en retourner au puits chercher de l'eau. Je vous mets la petite pause et puis je vous dis à tout de suite. Et me revoilà, juste au bon moment, pour voir les 15 bits qu'a offert Rancune. Rancune, donc, préfère faire des cheers pendant l'écran de pause. Merci beaucoup, Rancune, c'est super agréable. Merci à toi. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis la mauvaise scène. Hop, on va revenir par là. Bien, bien, bien. Bah écoute, en tout cas, belle occupation pendant la pause. Merci encore, hein, Rancune. Donc, on voulait démarrer par... j'ai envie de dire, enfin, c'est le document qui veut qu'on commence par provisionner l'autorité de certification. Donc, a priori, il y a juste ça à copier-coller pour générer. Alors, on va peut-être lire un petit peu le truc, hein. En gros, c'est un fichier au format JSON. Enfin, il y a deux... Ah, il y a plusieurs fichiers au format JSON. Donc ça, c'est a priori un fichier de configuration. Ah oui, d'accord. Ok, là, c'est juste des trucs du genre, voilà ce que tu vas pouvoir faire, les dates d'expiration. Et là, par contre, on a une certificate signing request. US Portland, CA Oregon. Ouais. Bon, on va laisser le truc, hein. Et normalement, on doit avoir deux fichiers .pem, une clé privée et... un certificat. Bon bah copier. Et on le fait on le fait toujours sur le local, je suppose, vu qu'on a installé tous les outils sur la machine d'administration. Ah, flûte. Hop là. Donc j'ai bien un ca.cr et un ca-key.pe. Ah non. Oh là, punaise. Donc j'ai celui-ci et celui-là. Ça, c'est ceux que j'ai qu'on a générés au début, là, avec les configs. Hein, si je fais un cas de ca-config. Voilà. ca-csr. Ok. Vous voulez voir la clé privée? Je fais fuiter la clé privée. Chiche. Donc là, de toute façon, on a la CSR qui doit être juste. Qui est juste la certificate request. Le ca.pem qui, du coup, a priori,
C'est donc la clé signée. Et là, on a le CA.key, qui lui, n'a pas les mêmes droits. Il n'a absolument pas les mêmes droits. Alors pourquoi ? Bah c'est justement pour éviter que quelqu'un trouve la clé privée. Alors bon, étant donné que là, je suis sur l'utilisateur Nils, un autre utilisateur qui pourrait avoir accès root, ah, il pourrait rentrer sur le répertoire ensuite. Hein. Donc ensuite, il faut créer des certificats client et serveur. Donc on génère un certificat client et une clé privée. Ok. Et on doit avoir deux autres fichiers. Alors, warning, this certificate lacks a host field. Ouais, ok. Et donc, pareil, la clé privée, hop. Admin key, admin.pem. Admin.pem et adminkey.pem. Ok. The Kubelet Client Certificates. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Kubernetes utilise un mode d'autorisation qui s'appelle Node Authorizer qui autorise spécifiquement. Ok. Salut à toi, CAC188, bienvenue. Ok, c'est là où, par contre, il va falloir que je ne fasse pas de copier-coller bête et méchant. Parce que ici, il dit bien worker 0, worker 1, worker 2. Et en plus... Et en plus, il gère... Ok, elle est... Oh, punaise. Ah. Ouais, j'ai pas prévu cette histoire de NatIP, moi. Ah oui, l'adresse IP qui sera attachée. Alors, CAC188, le principe des Kubernetes, c'est de pouvoir en fait orchestrer des conteneurs sur plusieurs machines virtuelles ou physiques. C'est-à-dire que tu te retrouves avec X machines virtuelles ou X machines physiques. Et tu peux mettre un ou plusieurs conteneurs sur chacune d'entre elles. Et le fait qu'il y en ait plusieurs, ça te permet de distribuer la charge, d'une part. D'autre part, de faire de la haute disponibilité. Donc si par exemple, tu as un cluster avec, admettons, 7 machines, et ben, si tu poses, si tu veux par exemple une application hautement disponible, eh bien, tu peux faire en sorte que cette application hautement disponible elle soit sur 3 ou 4 conteneurs différents qui seront pas forcément sur les mêmes machines virtuelles ou machines physiques. Un load balancing avec des containers de cœur. On peut dire ça. On pourrait plus dire même de l'orchestration, vraiment, parce que tu peux très bien avoir ton application qui est composée de... un conteneur applicatif et un conteneur base de données, et tu vas vouloir faire en sorte que ton conteneur applicatif et ton conteneur de base de données soient jamais sur la même VM. Ça, c'est des trucs que tu peux faire. Alors la question que je me pose, c'est quand il dit allocate static IP address,
C'est une adresse qui va être dans le réseau. Parce que oui, il a fait un. Ok, il a fait une autorisation pour. Parce que là, on a notre range. Je suppose qu'il rajoute ça. Ça, c'est pour les. Ça, c'est pour sa petite sauce interne. Mais à aucun moment, il parle d'utiliser. Si, Kubernetes public IP adresse. Mais c'est là. J'arrive pas à comprendre si c'est une vraie IP publique. Ou si c'est une IP qui est dans son réseau privé. Après, il dit Kubernetes public, mais. Non, non, tous les conteneurs doivent pas avoir une IP publique. Fort heureusement. Allez, on va aller chercher ça un instant. Gcloud Compute Address. Mais là, il précise pas. Parce que la commande qui est tapée peut être publique au sens résolvable. Peut-être. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est que. Hop. On va lui dire, comme c'est les workers à ce niveau-là, on va lui dire node 3 Alors si c'est sur la documentation de Rancher, ils disent que ça s'applique que sur du cloud public. Ah. Ouais. Non, c'est pas node 3, c'est node 4. Hop là. Node 5 et node 6. Dans ce cas-là. Et il me manque un truc. Il manque EOF. Hop. Voilà. Non. Non, t'es censé me faire le. Ah, il me manquerait peut-être un. Ça. Non plus. Alors, ce que je vais faire, VI. C'est censé faire quoi? C'est censé créer les certificats? Kubelet. Kubelet. Tiret workers.
.sh. Hop. Donc. Il me manquait... Hop. Ah oui, d'accord, oui, il me manquait ces deux-là. Bon. Comme ça, ce sera plus simple. Donc j'ai dit... Oups. J'ai dit node4.manynodes.local. Hop. 5, 6. 6. 5. Syntaxe error. Ligne 20, unaccepted. What? Alors attends, c'est quoi la blague? Ligne 20. Ah oui, c'est qu'en fait... C'est qu'en fait, le done, il est en dessous, donc il faut que je prenne tout, en fait. Hop. Celui-ci, on l'enlève. Et donc là, en external IP, il va falloir autre chose. Et ensuite, il va faire un hostname instance. Ah, zut! Il va falloir que pour chaque... Ah d'accord, c'est pour ça qu'il le fait. C'est pour ça qu'il le fait. Ok. Donc il faut que je donne. Mmh. Il en met du temps, tiens, à résoudre. Donc en gros, il y aurait... Pourquoi est-ce qu'il rajoute en hostname? Il met le nom de l'instance, external IP, internal IP. Ah oui, c'est pour qu'on puisse, c'est pour que le certificat soit valide dans ces trois cas de figure. Mais The Bidouilleur, tu disais que ils disent que ça s'applique que sur du cloud public. Ouais, mais le truc en plus là, c'est qu'il faudrait du coup que je résolve. À chaque fois pour dollar instance. Ce que je peux faire à ce moment-là ici, c'est mettre un. Je peux faire un host. Node.manynodes.local. Alors, si je lui dis de faire ça, et je lui dis, hop, que je lui dis plus short. Ok. Donc là, à cet endroit-là, pour l'IP interne, je lui dis de faire
Je lui dis de faire ça. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai l'internal IP. Ça va être un petit peu long, mais ça devrait. J'espère que ça marchera. Maintenant, il y a l'external IP, là où j'ai vraiment toujours pas vraiment bien saisi son truc. A priori, vu qu'il ne le fait pas en fonction de l'instance, s'il fait un gcloud confiance describe instance moins format. Attends, ils ont pas toute une adresse IP publique quand même, les VM. A priori, il n'y en aurait qu'une. That was created in your default compute region. Alors, pas toute une IP publique, mais toute une IP unique atteignable par la PKI. Si le certificat est utilisé par l'API serveur, le fait d'avoir l'IP publique dans le hostname doit te permettre d'utiliser kubectl depuis ton poste. Ah ouais, donc en gros, si je comprends bien, le principe, c'est que de toute façon, les machines vont sortir sur Internet. Donc, à un moment, elles vont sortir avec une IP publique, elles vont être natées. Et pour toutes ces machines, il y aura une seule IP publique. Il n'y aura pas une IP par machine. Donc à partir de ce moment-là, il faut que j'indique quelque part l'IP publique du service, entre guillemets. Dans le cluster K8S, toutes les commandes vont passer via l'API serveur. Donc moi, étant donné que je suis sur un truc naté, enfin naté, comme je suis entre guillemets en interne, et que mon serveur libvirt, il a tout dans un sous-réseau. Je peux donner l'adresse IP de mon serveur libvirt, par exemple, l'adresse IP entre guillemets de sortie de mon serveur libvirt, ou alors, sachant que je veux... l'adresse IP du serveur libvirt, ça peut être une idée, ça, non? Tu dois indiquer toutes les IP qui seront utilisées au sein du cluster. Ah, tu veux dire... toutes les IP pris. Attends, Azram, là, j'ai du mal à te suivre. Je dois indiquer toutes les IP qui seront utilisées au sein du cluster, donc les IP privées, etc. Donc déjà, on indique le nom de la machine, on indique l'adresse IP de la machine virtuel, en tout cas du worker. D'après ce que j'ai compris, il va y avoir un load balancer. Tu es aussi un peu perdu toi-même. Ok, donc ça, je m'inquiète pas, ok. Parce que là, il parle d'une adresse IP statique qui va être attachée au load balancer externe. Alors, si je vais chercher sur le grand internet convivial, si je dis au fait GCP NAT IP, c'est quoi la NAT IP? Ouais, ça m'arrange pas du tout. Alors pour toi, la variable external IP, c'est l'IP que tu utiliserais depuis mon laptop pour parler à mon cluster Kubernetes hébergé chez Google derrière un load balancer. Ah. Sauf que dans mon cas de figure,
Dans mon cas de figure, là, je suis sur Node 0 qui accède directement aux machines. Donc, a priori, j'ai pas besoin de la rajouter. Ah non, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, l'adresse IP externe qui est associée à une instance, ce serait ça. Ce serait l'adresse IP associée à une instance. Ok. Donc là, par exemple, quand on fait comme ils disent, quand on fait un gcloud compute instance list, là, on en a une qui a une adresse IP publique. Bah, là, en l'occurrence, ici, il y a une qui a qu'une seule IP, et là, il y en a une où tu as en fait un NAT de l'IP publique vers cette machine. Donc, l'autre n'en a pas, par exemple. Mais si elles étaient toutes natées par la même IP publique, potentiellement, elles auraient la même, en fait. Et je suppose que des fois, ça peut être la même chose pour plusieurs machines. Donc dans mon cas de figure, en fait, j'ai pas besoin de le mettre. Alors, à moins que... Si, alors attends, dans ce cas-là, Azram, si ce que tu dis est vrai, si à un moment je parle au cluster Kubernetes, je vais peut-être passer via le load balancer. Et dans ce cas-là, il faudrait que j'indique l'adresse IP du load balancer. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je dise, au fait, le load balancer, il doit avoir cette IP-là. Tout à fait. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir et je vais dire que le load balancer aura comme IP. Alors celle-ci, hop, ce sera la 2. Ou plutôt... Alors attends. A priori, j'avais... Ouais, mais de temps en temps, il a pris des IP... Dans ton cas, tu as des serveurs qui n'ont pas besoin d'IP public comme la BDD, car tu utilises l'IP privé pour ton serveur avec ton app. Ouais. Écoute, on va laisser comme ça. On va faire comme ça. On verra bien. Au pire, on recommencera. Hein. Voilà. Donc j'ai. Remarquez, je suis tenté de me dire un truc. Ouais, on va laisser comme ça. J'étais en train de me dire, je pourrais peut-être rajouter le nom court et le nom long, mais bon, c'est un peu tard. Donc effectivement, j'ai tous les workers qui sont là, mais du coup, ils sont en node quelque chose, point mainnode, point local. Ok. J'espère que ça va pas trop poser de problème, ce genre de choses-là. The controller manager, client certificate. Donc là, à mon avis, ça va être un peu la même chose, non? Non. Donc là, il y a juste un seul truc. Donc allons-y. Hop. Oui, bon, ça encore le host field. Ok. Donc on a du coup. On a les fichiers du kube controller manager. Ok. Kube proxy client certificate. Ok. On ne sait pas ce que c'est ce kube proxy client certificate, mais allons-y. Ok. Scheduler. Pareil, je sais absolument pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Ce cube scheduler là, ça se mange? Comment ça, je commence déjà à avoir faim. Kubernetes API Server Certificates. Donc là, c'est pareil, il y a des trucs gcloud, il va falloir les changer. Ça a le goût de poulet. C'est quoi celui-là? C'est. Kubernetes API serveur. Allez hop. Hop. Alors. Gcloud compute adresse describe Kubernetes the hardware.
Donc ça, à mon avis, ça doit être l'IP que j'ai filé tout à l'heure, qui doit du coup être, j'ai dit 10.240, 10.240.0.2. Asram, le Kube Scheduler, c'est lui qui assigne les pods conteneurs aux nœuds. Ah, ok, merci. Hop, c'était celui-là, hein, que, hop, où j'avais dit que l'external IP, ce serait 10.40.0.2. Donc, a priori, c'est bon. Oh, d'ailleurs. Si, 10.240.0.2. Ok. Et là, il génère un certificat pour 10.32, machin. Pourquoi du 10.32, 10.240, 10.240? Ok. Ah, alors là, attention, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'au niveau des hostnames, il met l'IP des. Il met l'IP des contrôleurs. Ce qui me fait penser qu'il faudrait vraiment que je regarde côté. Du côté de mon petit truc Meninodes, là, si je peux pas essayer de comment dire de mettre des IP statiques en fait parce que là le node 0 c'est non on s'en fiche c'est 101 185 171 101 185 171 101 185 et on a dit 171 voilà. Ils sont 10, 32, 0, 1. Est-ce qu'il dit qu'il faut le changer ou... Non, parce que de toute façon, il variabilise, donc... Et dans les Kubernetes hostname, c'est que les... adresse IP publique. Donc là, le nom du certificat... Alors... Le Kubernetes API Server se fait automatiquement assigner le DNS interne Kubernetes qui va être lié à la première adresse IP 10.32.0.1 du range 10.32.0.0 qui est réservé pour Internal Cluster Services, pour donc les clusters services internes. Ok, soit. D'accord, je comprends pourquoi cette IP. D'accord, hop, bah non, ça c'est déjà. Donc. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, une paire de clés pour un compte de service. Donc ça va. Ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Et maintenant, on distribue le client et le certificat serveur. Donc, pour les trois workers. Donc, worker. Hop. Alors, on peut s'embêter. Voilà. Alors. Les machines vont s'appeler. Donc on a dit node 4.many nodes.local 5 et 6. 6 et 5. Et au lieu de faire un gcloud compute, on fera juste un SCP. Donc a priori, je suis censé avoir node 4.manynodes.local instance $key.pvm. Donc je dois avoir des points key pour key.pvm. Ok. J'aurais peut-être dû mettre un SCP-V, hein. Ou un écho. Ah, d'accord.
Ah, c'est qu'en fait, il prend du temps déjà pour faire la résolution DNS et ensuite. Pourquoi il me dit. Permission denied, public key? Lost connection. Qu'est-ce que. Attends, c'est quoi cette blague? Pourquoi il s'y connecte pas? Ah mais oui, j'ai pas mis. Oui, effectivement. Ah, je sais. Je sais. Je vais faire un truc sale là. Je vais faire un truc sale là. Voilà. Ne faites pas ça chez vous, hein, les gens. C'est ça, je moins un grand A, c'est moche. C'est juste qu'il a pas la clé, il a pas la clé publique, enfin il a pas la clé, il a pas la bonne, clé. Voilà, là on est bon. Ce qui me fait d'ailleurs penser que je suis en train de me poser la question de. Ah non, ça c'est le API serveur, donc oui c'était les bons, ok. Voilà, ça devrait être mieux. Ou pas. Hop, on va essayer d'être un petit peu plus verbeux. Voilà. Hey, merci beaucoup pour le follow, Yaksam21. Merci à toi. Voilà. Peut-être un petit peu plus verbeux. Voilà, on l'a déjà un. Là, on dirait qu'il y en a eu un deuxième. Effectivement. Et là, le troisième est en cours. C'est juste que le temps qu'il résolve, c'est quand même bizarre ce truc. Ce souci. Enfin, cette histoire de résolution. Must be. Ah mais c'est complètement le DNS. Je sais pas pourquoi le DNS masque de Marvin est complètement à l'arrache comme ça. Vir sh netlist. Donc il a un mininode qui est là. Il est où le network? Hop. Alors j'ai un doute sur la commande. Hop. Merci beaucoup, Descarmiche. Merci à toi pour le follow. C'est très gentil. Net dump XML. Et ce sera du coup many nodes. Parce qu'en gros, j'ai les. J'ai la config qui est comme ça: domain name manynodes.local, DNS enable à yes. STP on sur le bridge name. Ouais. Faudra peut-être que je travaille un peu ce truc-là. Hein. A priori, il a pas de. Enfin, je vois pas de conf. Il y a peut-être le STP à on, mais non, même pas. Si je fais un host node 0.mininodes.local. Ah, pourtant il l'a tout de suite.
Warning, point local is reserved for multicast DNS. Ah, il faudrait que je fasse un point autre chose. Voilà, tout est... bizarre. Bizarre. Bon, bah... je pense qu'on verra ça... on verra ça à un autre moment. A priori, les workers, tout le monde a son petit fichier. Et ensuite, il faut faire pareil sur les contrôleurs. Alors. Et donc, on fait un petit SCP. On va refaire un moins VP. Alors. C'est quand même bizarre. Bon, faudra que je... Est-ce qu'il y a systemd sur les nodes? Oui. Désolé, Haribo, j'ai pas vu ton message avant. Mais oui, il y a systemd sur les nodes. Oh, Top Clean, salut à toi. Qui nous raid avec 30 personnes. À l'heure où j'étais en train de me dire, tiens, je vais peut-être m'arrêter. Merci beaucoup, Top Clean. Et merci à vous 30 de venir. On est en train de. Enfin, on est. Ce soir, je me suis dit, tiens, je vais essayer Kubernetes The Hard Way. Donc, j'ai popé les VM. Et puis. Puis là, je suis gentiment à la fin de. Ah, t'entends pas, t'as la pub. Je vais peut-être attendre la pub alors. Peut-être que le resolve.conf n'est pas le lien TC resolve.conf. Hop là. Pour le coup, c'est du systemd. Il y a resolve.ctl à Haribo. Hop, current DNS serveur. Voilà. Donc. Top Clean et les 30 qui arrivent. En gros, ce soir, salut à toi, Coultran. Salut à toi, Natasha Croft, bienvenue. Alors, on n'y est pas encore hein, à conteneuriser. En gros, j'ai démarré il y a 2 heures. Merci beaucoup pour le follow, Ortix. J'ai démarré il y a 2 heures et l'idée, c'est d'avoir un cluster Kubernetes en utilisant Kubernetes The Hard Way. Bah, pour le moment, merci pour le follow, Coultran. Merci. D'ailleurs, ton nick me dit un truc. Tu ferais pas partie des viewers réguliers de chez Emile?
Salut à toi, IAM23, bienvenue. Et donc, pour le moment, alors pourquoi utiliser Cube? Vieux GCU, ok, d'accord. Ok, écoute, Ran, ok, on voit, on connaît des gens bien tous les deux alors. Alors pourquoi alors qu'il est difficilement débuggable? Écoute, je suis tenté de te dire, le truc là, il est fait pour apprendre, donc moi je veux apprendre, donc j'essaye avec ça en fait. Maintenant, l'idée c'est d'apprendre et c'est pas d'aller faire tourner de la prod tout de suite maintenant. Puis en plus, je connais absolument pas Nomad. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc voilà. C'est un truc d'Hashicorp. Ah, bon. Quitte à apprendre que c'est officiellement difficilement débuggable. Pas mal à Haribo. Ouais, non, mais t'inquiète, Vault, Consul. Ouais, t'inquiète, je connais. Au moins deux noms. The Bidouilleur, Nomad, sous-côté, mais les devs s'en fichent de ce soft, peu de support. Ah, bah alors, s'il y a peu de support, ça donne pas envie d'y aller, hein. Mais ouais, j'ai déjà utilisé Vagrant et Packer et Vault et Consul. Donc oui, les outils HashiCorp, ouais, je me doute que c'est de la bonne cam, généralement. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? J'ai paumé mon truc. On en était à... Je venais de faire... de copier les certificats des workers. Donc ça, c'est bon. Et là, ensuite, on avait le Cube Control Manager. Est-ce qu'on l'a fait, celui-là? Ouais, a priori, on l'a fait. Le Cube Control Manager. Non. Non, on l'a pas fait le Cube Control Manager a priori. Il y a une grosse commu derrière Cube CNCF. Ok. Et The Bidouilleur qui rajoute, on va pas se mentir, Nomad est simple car il gère moins de choses. Bon, alors, vu que vous êtes nombreux, je vais faire un petit peu de rab. Puisque pour l'anecdote, moi d'habitude je stream de 18h à 20h. Donc normalement à 20h05, je suis un peu en train de plier bagages. Mais comme vous êtes nombreux, je vais faire un peu de rab. Ah oui, tiens, je vais peut-être vérifier que j'ai les. Hop. Non, je les ai pas. Donc, allez, c'est parti. Salut à toi, Cookie! Ah bah, c'est cool de passer faire un petit coucou. Hop. Ensuite, le proxy client certificate. Je suis censé avoir cube proxy key. Et si les cube proxy key, je les ai pourtant. Je l'avais déjà. Salut Ucise. Cookie qui a reçu son Raspberry Pi 4 8 Go. Trop bien, tu galères. Comment ça, tu galères avec un Raspberry Pi 4? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis perdu moi dans tout ça. Je sais même plus où j'en suis. Gcloud Compute SCP. Donc ça, je l'ai fait, la distribution. Alors, ton serveur Minecraft tient pas dessus apparemment. Ah, malheureusement pour Minecraft, je ne saurais pas t'aider. Je t'avoue que je n'y joue pas. Est-ce que j'aurais pas recréé un certificat que j'avais pas... Bon, tant pis. i9 10904, 32 Go, ok. Hey, merci beaucoup pour le sub, Coultran. Merci énormément. C'est super ton soutien à la chaîne. J'en profite pour te signaler que du coup, tu as accès maintenant aux emojis moutons. Mais Cookie, j'ai envie de croire qu'entre un i9 de 10e génération et un Raspberry Pi, il y a peut-être un juste milieu. Parce que bon... C'est que ça doit bouffer en ressources. Alors,
Pop, 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 pom. Faut de la force pour les mangas. C'est gentil, merci beaucoup, Coultran. Merci. Alors. Donc, a priori. J'ai fait les workers. Les contrôleurs, j'en étais où? Les contrôleurs, est-ce que je les ai... Oui, je les ai copiés, les contrôleurs, normalement. Ouais, je les ai copiés, les certificats. Il n'y a pas de soucis, The Tourist. Salut à toi. T'as de la chance, je fais un peu de rab. Donc maintenant qu'on a tout ce qui est certificat PKI et tout le pataquès là. Parce qu'on a, on a généré plein de certificats, plein de clés privées. Je suis pas sûr de savoir à quoi sert la moitié d'entre eux. Donc j'espère qu'il l'expliquera un peu plus tard dans sa doc. Merci beaucoup pour le follow, Natasha Croft. Merci à toi. Alors, donc on va continuer avec les fichiers de conf pour l'authentification. Ok. Ah, c'est gentil, The Bidouilleur, de donner un coup de main à Cookie avec son Raspberry Pi. Merci pour le follow, Shadowbell. Merci à toi. Alors, on va générer des fichiers de configuration Kubernetes qu'on appelle aussi kubeconfig qui permettent de. Ok. Contrôleur manager, kubelet, kube proxy, un scheduler. Ok, mais alors qu'est-ce que ça fait tout ça pour l'instant? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors la public IP address, a priori, on en a convenu de ce qu'elle était. Ah, les clés livrées, ça te rappelle ton OpenVPN, tout ça. Oh, ça va, honnêtement, gérer un OpenVPN avec du EasyRSA, je m'en sors pas trop mal, j'arrive à comprendre. Là, c'est juste qu'il y a l'air d'y avoir 8000 composants dans un Kubernetes, et du coup, je suis un peu à la ramasse, quoi. 10.240.0.2, on a convenu que c'était ça. Hop. Alors. Donc. Et il faut générer un fichier de conf pour chaque worker. Eh ben écoute, allez hop. Donc celui-là, on va dire, c'est generate kubeconfig. Kubeconfig.sh. Hop. Ah punaise, à chaque fois je me fais avoir. Paste, hop. Et donc, worker 0, worker 1, worker 2. Allez, hop. In node 4. Many-nodes.local. Alors, tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, puisque y en a encore un petit peu de monde du raid de Top Clean, à qui j'ai même pas demandé qu'est-ce que vous aviez fait ce soir d'ailleurs. Tellement je suis à fond dans mon cluster Kubernetes. Je sais même pas si Top Clean est encore dans le coin. Donc si c'est. Ou si y a encore beaucoup de ces viewers. Vous avez fait des injections SQL. Oh, bah dis donc, ça a dû être amusant. Ça doit être un sacré. Ça a dû être un sacré boulot. Je sais pas si vous avez fait un truc un peu. Comment dire. Un peu high level ou. Mais ce que je voulais vous dire aussi, justement pour celles et ceux qui sont arrivés, c'est qu'en fait, pour déployer le cluster Kubernetes, je me base sur un truc que j'ai créé qui s'appelle ManyNodes, où en fait c'est un jeu de fichiers Terraform pour pouvoir facilement déployer plusieurs machines virtuelles identiques sur un KVM libvirt. Alors, je vais vous remettre le lien dans le chat. Hop. Et je vais vous mettre aussi au passage le lien de Kubernetes The Hardway. Hop, comme ça, si vous voulez le lire, hop, n'hésitez pas. Mais en gros, ManyNodes, je l'ai créé pour pouvoir me créer l'environnement de lab pour du Kubernetes. Entre autres. Alors, en fait, non, pas du tout, Natasha Croft.
En fait, Maninode, c'est vraiment fait pour être sur du KVM local ou KVM sur une machine accessible en SSH. En l'occurrence, ici, je me connecte à une machine qui est à côté de mon PC, sous mon bureau, et qui a un Linux avec KVM et Libvirt. Justement, j'essaye de le faire en local, là, le Kubernetes The Hardway. Du coup, je suis un peu dans l'obligation de faire quelques petites modifications. Cooltrane, alors c'est pas du. Si, c'est du multimaster, je crois. Puisque je suis presque à la lettre le Bignou. Donc. Donc, a priori. Il dit juste là, paf paf paf, kubeconfig. Ok, donc on va. C'est ça, Natacha, d'où l'adaptation de code. Voilà. Alors, il existe des gens qui ont forké Kubernetes The Hardway pour le faire marcher sur du KVM, pour le faire marcher avec d'autres distros, mais j'avoue que je suis. J'imagine qu'en plus les. Oups là. J'imagine qu'en plus les gens. Quand ils forquent le truc, ils le mettent pas forcément à jour, avec peut-être les versions de Kubernetes qui arrivent entre-temps. Donc, dans le doute, je préfère faire moi-même les modifications en lisant le truc. Alors, Cooltrane pour les pods sans le net. Les pods vont avoir accès à Internet. Ils vont aller se connecter hein, sur Internet. Après, est-ce qu'ils vont être joignables depuis Internet? Ça, c'est autre chose. Je pense pas d'ailleurs. Cookie, bah écoute, bonne partie d'Assassin's Creed. Hop là. Voyons voir à quoi ça ressemble ces fichiers-là. Oula! Dans le genre bonjour, j'inonde le terminal. Hop là. Tac, tac, tac. Il rajoute les certificats, le serveur. Ok. D'accord. Bon. Hop là. Où en étais-je? Ici. Ah tiens, ça, heureusement que je le. Hop. Et du coup, dans le truc serveur, il m'a bien dit 10-200. Ouais, ok. Ok. Donc, j'ai mes fichiers kubeconfig. Hop là, j'ai mes fichiers kubeconfig, oui. Hop. Ensuite, le fichier de conf kubeproxy. C'est pareil, le service kubeproxy pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça va servir. Donc là, ce sera encore un générate, on va dire kubeproxy. Kube-proxy. Hop. Toujours. J'oublie toujours le setpaste, hein. The Bidouilleur, je crois qu'il a une solution CNCF particulière pour host son registre Docker sur Kube. Je retrouverai le nom. Ah, ok. On va bien voir. Donc ça, a priori, j'ai rien à toucher. Voilà. Ensuite, The Kube Controller Manager. Ok. Bon, bah on va refaire un generate machin chose. Hein. CC Cube Controller Manager. Allez, 2.7 paste. Là, j'y pense cette fois-ci. Hop, on prend tout ça. Alors, est-ce que là, il y a un truc. Non, il y a juste un 127.0.0.1. Rien d'autre à modifier. Voilà. Et donc normalement j'ai le fichier de conf qui est là. Alors, hop. Ouais, c'est bon, je l'ai et le kube proxy aussi. Ensuite, kube. Punaise, mais il y a combien de services? Il y a combien de services? Franchement, c'est. Ah bah non, passage mode plus X, il n'existe pas, bah oui, on va le créer.
Allez, tu sais quoi? On va faire un touch. Un CH mode plus X, puis on va faire un VI. Hop, comme ça. Hop, set. Paste. Non, mais franchement, il y a... Ok, donc ça, c'est pour le scheduler. Hop là. Et donc... scheduler, hop là. Ça, c'est fait. Ensuite, admin... Ah d'accord, ça, c'est pour l'utilisateur administration, ok. Fatigue, hop, voilà. Et distribuer tous les fichiers de conf. Allez, là c'est parti, on fait faire du SCP. SCP config.sh, hop. Et on fait un set, set paste, hop là. Hop, et là du coup j'adapte. Ça, c'est les trois premiers workers. C'est les workers. Du coup, ce sera node4.manynodes.local. Hop. Node 5 et node 6. Et bien entendu, on va penser à... Hop. Voilà. Et en toute logique, alors j'ai pas fait le moins V, mais ça devrait... Guigui 2 qui est en mode ah, CP moins V. Alors, on va essayer de se faire confiance cette fois-ci. Bon, ça se traîne vraiment un peu. Enfin, vraiment que je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau DNS. Hein. C'est franchement chelou. Et ensuite, il y aura la copie de ça. J'aurais peut-être dû lancer les deux, tiens. Et là, c'est config... on va faire config 2. Hein. Allez, hop. Et donc là, ce sera node 1, 2 et 3. Oups là. Hop. Il y a un quoi? Ah bah oui. J'ai oublié le... À la limite, on fait... Hop. Echo. Dollar i. Dollar instance. Hop. Voilà. Comme ça, on n'a pas toute la verbosité, mais au moins, on a la liste. Bon, le generating, là, ça devient le 6. Alors, je suis en train de me dire, il y a combien de trucs au total dans les docs. Ok. Donc, on passerait pas le premier truc avant le 8. Du coup, moi, ce que je vous propose... Ce que je vous propose, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus, c'est que on va s'arrêter là, je pense, après cette copie. Donc on était. Merci beaucoup Kultran pour les 5 subs que tu files à la communauté. Merci, merci à toi et merci pour du coup les 5 chanceux qui reçoivent ça au moment où je dis que je vais peut-être m'arrêter. Merci beaucoup Kultran, merci à toi.
C'est franchement sympa. J'apprécie beaucoup, honnêtement. Je saurais jamais être assez reconnaissant pour les gens qui se sub à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir en plus. Je crois que c'était avec The Bidouilleur qu'on disait, ouais, ça m'encourage en plus. Parce que c'est vrai que j'ai galéré sur toutes ces histoires de Kubernetes. Et du coup, voir des gens qui sub pendant ces lives-là, ça m'encourage vraiment. Je me dis, ok, je me dis que je suis peut-être pas le seul à galérer sur tout ça et que tu donnes, on donne en retour. Bah, merci beaucoup, mais moi, ça me fait plaisir, tu sais, je donne de bon cœur. Du coup, je vais continuer un peu, hein. Est-ce que si je continue ce truc-là, les data encryption config and key, est-ce que ça dure longtemps ou est-ce que c'est. Oh non, c'est court. Ah, allez, on va le faire. Allez, hop. Kubernetes stocke une variété de données en incluant l'état du cluster, config des ailes et secrets. Non, jure. Kubernetes. Ok, donc il permet. Ah, ok. Dans ce lab, on va générer une clé de chiffrement et une config de chiffrement. Ok, je vois. Comme ça, quand on éteint la VM, stream 24 heures. Alors, je vous explique. On est dimanche soir. À la base, j'avais encore d'autres choses à faire en soirée. Si je dois streamer 24 heures jusqu'à lundi 18 heures, on va être mal barré. Hein, surtout que moi, j'ai. Non mais t'inquiète, Kultran, si c'est pour 10 minutes, ça va. Dormir, useless. T'inquiète, je peux rester 10 minutes de plus. En plus, le truc là, il est court, donc ça va quoi. Comme ça, on pourra commencer dimanche prochain directement par démarrer le cluster etcd. Donc, encryption key, c'est. Allez hop. Allez hop, on la génère. Pouf. Voilà. Ensuite. On crée un fichier. Hop, mais non. C'est ça quand on a deux. Hop là. Non, et puis bon, j'ai fait un stream d'une heure et demie hier soir. Ça va, je peux bien faire 2h30 ce soir, quoi. Donc, de l'encryption, gnagna, ça, c'est vu. Ensuite, on le copie. Oups là. Hop, et donc c'est les contrôleurs. Donc ce sera node 1 .main.mainNodes .local. Hop, node 2, node 3. Voilà. Et zou. Et donc après, ben, ce sera pour la prochaine fois, si jamais. Bon, on a déjà vérifié qu'il a tout copié. Donc normalement, on a quand même un certain nombre de fichiers ici. Et là. Coltrane, l'assertif kubeadmin est bien au passage. Ah! Bon, à savoir ça. Mais déjà, rien que quand je vois la quantité de trucs à générer, la quantité de services, j'admire les gens qui se font les trucs comme ça. Enfin, je sais pas s'il y a tout ça à gérer pour l'assertif, mais bravo les gens qui la passent, hein. Bon, allez hop, on va en rester là. Je pense que déjà, on a bien. À la base, moi j'espérais sur les 2 heures de stream de base, je pensais juste faire juste les VM pour être honnête. Je me disais, je vais mettre 2 heures à faire des VM, ça se trouve, je toucherai pas du tout à un truc de près ou de loin à Kubernetes. Bon, on a commencé par générer plein de clés de chiffrement.
Ah, c'est une certif pratique, l'assertif Kubernetes. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Je vous avoue que j'ai passé quelques certifs là dans ces dernières années. C'était essentiellement du QCM, c'est un peu rageant. Alors que j'avais passé d'autres certifs un peu plus, on va dire, il y a un peu plus longtemps, où ça avait été des certifs pratiques. Et c'est vrai que c'est quand même. Alors, c'est plus, entre guillemets, plus dur, mais je trouve ça plus. Comment dire? Je trouve que le. Réussir à passer un certif pratique, il y a un côté où on est un peu plus. Comment dire? J'ai le mot en anglais rewarding, mais. On a vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose. Hein. Les conditions de l'examen rigolent pas. Oh là! J'ose pas imaginer dans ce cas-là. Tiens, je vais repasser sur hop, cette scène-là. Ouais, gratifiant, exactement, Haribo. Valorisant, Ucise. Ouais, c'est exactement ça. Pour l'anecdote, les certifs pratiques que j'avais passés, ce sont les certifs de chez Red Hat. Que j'ai vraiment trouvé bien. Alors, qui du coup sont un peu anciennes, mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié le fait de pouvoir vraiment pratiquer, que ce soit durant la formation et faire de la pratique sur l'examen de certif. Azram qui dit par contre, si en cliquant sur un lien dans la doc à 8 tests, tu arrives sur un autre site, bah tant pis pour toi. Ouch. Faut montrer que t'es seul, faire le tour de. Ah non, mais Cooltrane, même ça, la blague. J'ai passé une certif en mode QCM à distance, du coup, à cause des confinements Covid et tout ça. Et j'ai eu la même chose, hein. J'ai eu la même chose. C'est-à-dire que tu fais le tour de la pièce avec la caméra, tu dois montrer tes papiers d'identité à la caméra, et ensuite tu dois les balancer bien loin. Et moi-même, la blague, c'est que j'étais du coup dans une chambre où j'avais mis une table, comment dire, temporaire, avec mon ordinateur portable dessus. Et en fait, limite, il a voulu voir sous le lit, hein. Il a voulu voir sous le lit, c'est assez fou, hein. Azram, alors il y a des gens, ils vont à Vegas pour flamber, et toi tu vas à Vegas pour passer des certifs. Je crois qu'on t'a pas expliqué le concept de Vegas, Azram. Et donc pour répondre à Guigui, j'ai passé la RHCE, et du coup la RHCSA avant. Mais c'était il y a longtemps, c'était pour RHEL 6. Donc maintenant on est sur RHEL 9, je peux vous dire que je pense que si j'avais un doute là, le doute est levé, l'assertif, elle est complètement. Merci beaucoup pour le follow 0x81H. Merci beaucoup. Bien, je vais m'arrêter là du coup. En plus, ouais, effectivement, je commence un peu à fatiguer. Bah salut à toi 0x81H. Je vais essayer de continuer ça dimanche prochain, de 18h à 20h, puisque habituellement je stream donc deux fois par semaine, le dimanche de 18h à 20h et le jeudi de 20h à 22h. Si jamais vous voulez retrouver cette vidéo, si jamais notamment ceux qui sont venus avec le raid de Top Clean veulent voir le début, je laisse les vidéos en replay. Et si en plus vous êtes abonné Prime, normalement vous aurez accès genre à, je crois, 6 semaines de. Est-ce que je fais hot tub moi au moins? Non. Non, mais si on monte les subs, il y a moyen que ça s'arrange. Hein. En fait, le hot tub, ça va être difficile. Moi, je vis dans un appartement. Rancune qui dit que sur OnlyFans. Alors effectivement, il y a des fois je rigole en parlant d'OnlyFans. Faites gaffe, en 1er avril, je vais m'en créer un de compte OnlyFans. Puis je vais vous mettre des serveurs à poil dessus. Oui, effectivement, Lucise, la mini piscine. Alors dans le. Peut-être. Ouais, alors ça risque d'être compliqué de préparer les streams mini piscine dans le salon. Mais toujours est-il que ouais, habituellement je stream donc deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches.
Les dimanches, en ce moment, voilà, je fais que du... que du conteneur ou presque. En tout cas, depuis longtemps, je fais une série sur Kubernetes. Donc ça, c'est la suite. du câble prone sur OnlyFans, ça cohérent avec l'univers de Docker. Ouais, effectivement. Alors en appart, la mini piscine, c'est jouable avec beaucoup de Robson. Ok, Haribo, je sais pas si tu dis ça pour déconner ou si tu dis ça d'expérience. Mais tu me fais presque peur. Ça sent le vécu ici, je suis assez d'accord. Et donc le jeudi, je ne fais pas de Kubernetes, je ne fais pas de Docker. Je fais un autre truc que j'appelle Lab as Code. Donc en gros, l'idée, c'est de monter une maquette qui, quelque part, reproduit l'Internet mondial et convivial. Et donc, je fais ça à base d'infrastructure as code. Donc on a fait masse de Terraform et de Cloud Init pour monter des routeurs virtuels, des machines virtuelles serveurs. Et là, en ce moment, on commence à peut-être pas, alors on a fini entre guillemets le provisioning de base. Et là, on commence à mettre en place des services avec de l'Ansible. Pareil, vous avez pu voir le code de Many Nodes. Je vous ai filé le lien sur GitHub. Le code pour le lab as code est aussi sur GitHub. Je fais tout en open source. Donc voilà, si jamais vous voulez qu'on discute ensemble entre les streams, eh bien vous pouvez avoir la liste de tous mes réseaux sociaux en faisant point d'exclamation socials ou directement en regardant là-dessous. J'ai mis deux trois trucs, notamment le serveur Discord de la chaîne, mais aussi le compte Twitter, le compte Mastodon, le compte Instagram, mon profil sur GitHub. Comme ça, vous pouvez voir tous les trucs avouables et moins avouables que je publie. Et n'hésitez pas à venir faire un tour pour discuter ou pour me faire une pull request. Voili, voilou. Ortix qui dit qu'il a commencé à s'intéresser à la techno, ça a l'air fou. Je confirme, c'est fou. C'est fou. Moi, je m'amuse bien. Alors, je ne lirai pas ton commentaire, Velmat. Allez le suivre, il partage son OnlyFans. Franchement, si vous êtes encore là au 1er avril, il y a moyen que je crée un OnlyFans juste pour la blague. Allez, sur ces bonnes paroles, est-ce que par hasard il y a des trucs à raider, non? Alors moi j'ai rien dans les gens que je suis là à raider ce soir. U6, ah mais du coup au 1er avril on sera full sérieux. Alors question, est-ce que le 1er avril tombe un jeudi ou un dimanche en 2023? Janvier, février, mars, avril. Le 1er avril tombe un samedi. Donc il faudrait qu'exceptionnellement je stream un samedi. Et que je fasse genre, allez hop, création d'un truc OnlyFans. Puis je mets des serveurs ouverts pour dire qu'ils sont tout nus. Il la colle. bon. Ouais, clipez ça, tiens, clipez ça. Qu'on rigole un peu. Bon allez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, un bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ouais, bon appétit à vous. Il se fait faim effectivement. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et sinon, à jeudi ou dimanche prochain. Allez, bye bye. Ciao.